Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Oui, solidarité, la mar, et puis avenir, la liberté. Ces zones ça, yon en commune Tigouave. Ministre PTC, Anna de Joaciris. Visité mardi 1er décembre là ministre vient garder travail infrastructure routière qu'a réalisé dans Tigouave qui campé et moi bail de nouvelles directions c'est sûr que travail va aller beaucoup plus vite beaucoup plus bien mais m'a dit tout le monde Tigouave qui cap tande m là cap garder m tout et moi presque et ville là en adoquin mais logique qui gagne adoquin c'est un bon matériau sauf en Haïti qualité pas trop bon. Mais Adoquin en lui-même son gros matériaux pour faire couche de revêtement. Mais ça arrive à Adoquin yo gen Tigouave la jodi an, compte tenu des comportements yo gen avec couche de roulement, yo vin dégradé, c'est-à-dire coefficient de frottement vin nul. Ça traduit n'importe qui là puis tomber ka gen de graves accidents. Qui ça nous pral faire la jodi an? Et son méthode qui fait dans tous les pays du monde. Côté qui gagne des points critiques, c'est-à-dire qui gagne des tassements, n'a enlevé à l'occasion n'a traité et n'a couvert tout en A ou B, n'a béton couche déroulement sous yo. Non pas quand on gagne en A ou B, ou non quand on fait tout un seul coup avant fait là, même qu'on est avec le ministre Boisvert qui est dément pile, la ban moyen pour m'acheter en A ou B pour me faire faire ça. Une membre commission communale Tigouave là, avec ancien député ville là, salue visite délégation. Pendant que souhaitez travailler, continuez. Que nous avons une visite là, ça a très longtemps. Et ce que nous espérons, et que visite là, les beautés fruits. Et c'est vrai, le ministre en ville là, il constate. Et forme de travail, vous avez fait là, pas de bon. Je pense que lui-même, il va apporter amélioration dans le travail qu'il a pour faire. Il y a deux projets là, il y a un projet de solidarité. Quand il y a un comme dans le budget, il y a commencé. Qui n'a jamais fini, et je devais visiter le ministre à l'Ouel pour que le travail là commence le plus vite que possible. Moi, je suis ministre à l'Ouel, tout le bagaille, il y a incompétence, il y a que le travail n'a pas fait. On lui-même là pour une décision qu'il faut. Délégation a été rendue sous pont la digue là, côté Fatra, Klabou, envahit tout en bas pont. Ministre a déjà se promet travail nettoyage, rivière a commencé semaine ça. En attendant, il construit un autre pont, dans le commencement de l'année 2021. Le pont la digue fait partie des trois ponts que la Banque mondiale a financé pour nous. C'est pour la digue, pour Mao, pour Côte de Fer là. Et demande de cotation faite déjà pour étudiants et puis qu'on y arrivera le faire pour faire pour moi. Certainement, je souhaite dans ça, je suis élevé pour moi. Je dis un point, à part m'en paraître bas, mais c'est pas bas vraiment, non. C'est dégradation environnementale qui nous gagne. Tout sédiment qui a vini, à quantité, à rythme qui a vini, qui vient pour paraître pour un peu bas. Mais pour moi, qu'on y a, compte tenu des logiques, nous avons vécu un problème environnemental là. Pour en doué, il y a minimum 60 cm plus haut que beige côté y a déposé là. Donc nous avons fait ça après le fait. Y a fait ça, y a tenu compte de ça dans l'étude là. Mais ça, moi, je vais pour garantir mon yo. Il y a un directeur départemental là qui l'a avec moi, c'est ingénieur Chevet. Moi, je vais l'autre pour lui commencer avec une excavatrice, commencer à curer et rivière là. Visite Savini après plusieurs membres de la population ont protesté sous façon film là, tap exécuté projet là. Responsable dit il a fait tout ça possible pour satisfaire les revendications habitants qui vivent dans la commune Tigouave. Le pays d'Haïti, ça qui a développé là, ils sont des choses qui menacent toute société. Le gouvernement a une première responsabilité, mais les kidnappés, ils n'ont pas choisi de figure sous ce gouvernement, sous pas mon gouvernement, c'est mon société. Et moi, je crois que là, il faut suspendre, faire polémique sur la question du kidnapping. Il faut considérer comme un phénomène de sécurité publique comme un cancer pour la société. Et que c'est tout mon ensemble qui pour mobiliser pour cabat question insécurité globalement, mais kidnapping en particulier. Et moi pense que pouvoir gen bagay li ka fè. Jusqu'à présent, m'a demandé pour qui ça. Pas gen au moins un numéro de téléphone qui baille. Que là où on bagaille passé, on côté, bon geste, on bagaille, on fait monter de force nos machines, bon numéro de téléphone, on kamite, et que, je dis avec la technologie, la police, la capacité pour le communiquer,
au nom de possibilité communication gain soit par radio soit par téléphone cellulaire et bon ka boucler en zone côté bon moun yo te essayer kidnapper parce que s'il y a pas de consigne il y a une différence entre le premier ministre Joseph Jout ka bay moun yo des conseils et consigne de participer de responsabilité les gros phénomènes comme ça faut gagner quelque part une tax force au côté moun chita pour réfléchir pour qui réponse y a porter pour soulager population. Moi crois que population a une participation pour gagner tout mais faut que gouvernement l'état bail des consignes qui pour les gros bagarre moun ou suspect parce que faut on courir l'autre et puis pour que la police là lui-même veuille collaboration population. Jodi a pas gain parlement président pays a la paix, il a la capacité de montrer déjà pour prendre des décrets. Et me penser là, il y a un état d'urgence qui doit décréter pour problème d'insécurité et kidnapping. Nan. Et pas grand rien qu'empêcher, il y a un décret qui pénalise la complicité dans le kidnapping. Nan. Parce que si on pas prendre des actions fortes, qui pour dissuader et moun k'ap fè kidnapping et moun k'ap associé nan kidnapping eh bien ou pas capable faire face à phénomène là faut qu'on ait un moun qui te bay kayou ou bien te fè négligence ou qui te utilisé kayou yon moun qui mange l'argent kidnapping sauf fréquenter moun nan ou gen petit ou gen mari ou gen des gros dépenses l'a fait même moun k'ap vann nou bagay toujours di a tant que ou gen machine ou ap vann nou n'ga pas acheter l'an mais ou donc yon gen droit pou droit qui bon responsabilité que si on n'a pas acheté un bail dans mon à partir de tel montant mais faut dire quand elle joue une cobla là ça fait une petite sécurité bail des mesures ça qui plus choquer citoyen c'est parce que pas senti que moun qui gagne responsabilité l'état a prend des mesures qui t'a quand même dissuader moun qui a fait kidnapping pour connaître des conséquences et t'a cap fait moun qui dans population qui gagne des relations de proximité avec nous soit maman yo, soit papa yo, soit voisin soit voisine yo connait ka arrive sur tout pour complicité moyennant que on loi fait pour ça eh bien moi même si bon conseil capable ba autorité qui en place yo c'est au moins mobiliser pour encadrer population hein, et pour mettre kidnapper tout monde qui fait zak bandi qui peut disparaître monde pour mettre yo en échec. Pile dans le ministère des Travaux publics et qui a aidé Mdou dans la réhabilité ville d'Igouave. Certainement, dans la discussion nous avons ensemble, nous avons débloqué un corps pour nous rénover des trois routes. Mais suivant ça, la population n'est pas trop satisfaite. Et demandé pour moi comment je suis venu. Moi-même, je ne suis pas satisfait. Et moi, je vais des nouvelles directions. C'est sûr que le travail va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus bien. Mais je dis tout le monde qui est capable de me garder tout. Et moi, presque, la ville en adoquin. Mais logique qui gagne, adoquin, c'est un bon matériau. Sauf en Haïti, la qualité n'est pas trop bon. Mais adoquin, c'est même son gros matériau pour faire couche de revêtement. Mais
ça arrive à d'aucun yo gen tigouav la jodi an compte tenu des comportements yo gen avec couche déroulement yo vinn dégradé, c'est-à-dire coefficient de frottement vinn nul. Ça traduit n'importe qui là puis tomber ka gen des graves accidents. Qui ça nous pral faire la jodi an? Et son méthode qui fait dans tous les pays du monde. Côté qui gagne des points critiques, c'est-à-dire qui gagne des tassements, n'a enlevé à aucun n'a traité et n'a couvert tout en A ou B. N'a béton couille déroulement sous yo. Non pas quand on gagne en A ou B, pour nous quand on fait tout un seul coup avant fait là. Même qu'on est avec le ministre Boisvert qui est dément pile, là ban moyen pour m'acheter en OB pour me faire une pression. Néanmoins, les a couvert en A ou B, en A ou B, coin caniveau, il a détaché tout A ou B ça yo. Pour faire jonction. Il a nettoyé les joints, il a passé de l'eau sur yo dans des points, mettre même l'huile même s'il le faut, et puis couvrir l'enrobé, il a bon travail 15-20 ans sans problème. Mais moi, des gens qui voient tout, ils ont traité le corps des chaussures très mal, ils ont déposé sable à gauche, tout bagaille sous l'île n'importe côté. Pour magistrat et avec responsable travaux publics dans la zone, nan, jouer rôle yo. Puis, il faut plus agressif et plus dynamique. Donc, il y a tout appui, moi. Moi, je viens là aujourd'hui, je viens là le 20 décembre, pour moi, avant 24 décembre, si mon Tigoua va passer une bonne fête. Nous là pour nous payer service, nous là pour nous travailler à tout le monde. Donc, nous viens là, à Doké, au contraire, c'est un problème à Doké, si je suis en vini, je vais quitter acheter un autre à Doké. Même à Doké, on a traité lui, on a couvert tout en OB. Et tout le monde est Tigouave est content. Bon, m'excusez-moi de vous dire que je prends pile temps pour me deviner Tigouave. Mais à comprendre, le travail nous en pile, en pile. Et certainement, nous avons 7 mois. Mais c'est comme si 7 jours, tellement de barricades, tellement de barrières dans l'administration de l'État aujourd'hui. Chaque fois, on fait des barrières pour sauter pour qu'il y ait un petit résultat. Pour que longtemps, il y a des travaux qui sont. Dans une journée, je dis après un mois pour faire, tellement qu'il y a une barrière dans l'administration. Donc moi, je m'a toujours dit ça, barrière, là, m'a dit de tous côtés, jusqu'à ce que nous fassions des débats entre nous-mêmes dans l'État, tout le monde dans la société civile, là, pour demander côté barrière, ça, oui, pour nous enlever, pour nous faire une administration publique suivant logique sociologique, non, suivant logique financière, non, suivant logique culturelle. Non. Laissez-nous dans bon notre pays, ce n'est pas manière occidentale, parce que nous pas occident. Nous pas de moyens occident, nous n'avons pas de moyens financiers, nous n'avons pas de moyens, nous pas de même logique culturelle avec eux, nous n'avons pas de même logique éducationnelle avec eux, même logique sociologique avec eux. Il faut nous définir propre logique, pas nous, et pour nous adapter la propre développement, pas nous, pour nous jouer dans notre pays. Qui est-ce qui t'a réalisé le travail? Moi, je ne suis pas trop intéressé à la film, non? Mais intéressé à la qualité de travail. Là. Seulement, je suis travaux publics là, pour la qualité de travail, là, pour le faire de travail, là, pour le bail population, service qu'elle demande, service qu'elle paye. Chabot Banane, dernièrement, nous avons vu le monde qui travaille là-dedans. Nous avons tout terrain dans la zone, même, tu as vivre en direct. Moi, je connais le travail ça. Moi, la dit, donc, nous avons et pour nous cuire le canal ça, et nous avons surtout, non? Et week-end capillaire. Et le travail ça a commencer. Et le travail ça a commencé. Il y a encore deux commencer dès aujourd'hui. S'il n'a pas commencé aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui a commencé aujourd'hui. Merci un peu. Toute la son visite que moi-même dans le ministre, parce que j'ai deux projets là. Nous avons un projet de solidarité. Quand nous avons comme dans le budget pour eux, ils ont commencé. Qui va jamais fini. Et nous devons visiter le ministre pour que le travail là commence le plus possible. Parce que Mounio, dans la zone, pour donc plus critique, presque un an et demi depuis qu'il n'y a pas sorti. C'est ça que je me fais ministre, Vintigouav, pour le travail qui n'a pas jamais fait. Or, regardez, on travaille dans la rue là-bas, le travail n'est pas bon. Nous avons obligé le ministre pour constater les autres que nous avons fait dans le projet qu'il n'a pas fait. Et dans ce sens, nous avons passé le ministre là. Pas tout le ministre, oui, tout le bagaille, il y a incompétence, il y a que le travail n'a pas fait. On lui a pris une décision qu'il faut.
nous avons constaté les problèmes qui sont dans la rivière la digue là. Et la population a demandé nous ça, nous avons tant de voies, nous avons venu. Effectivement, nous avons ravine presque atterri. Donc, nous demandé au directeur départemental, l'ingénieur chef Joseph, prendre des dispositions pour commencer le curage là. Mais en même temps, nous avons dit que nous avons la digue là, il a étudié la Kounia pour reconstruire. Il fait partie dans l'eau des trois ponts qui prend la digue, qui prend Côte de Ferland, qui prend Mao, qui trouve le Nanip. Et pour ça, il y a grand temps fait demande de cotation déjà. Et réception à fait pour faire étude là, pour lancer appel d'offres pour construction. D'ici mois janvier, d'ici mois février, il y a bien tout pour ça qui commence à débuter. C'est ça qui fait nous entrer en vaste campagne. Tout projet nous avons gagné dans la Banque mondiale, tout projet nous avons gagné dans la Banque interaméricaine de développement, dans l'Union européenne, nous disons que le peuple a trouvé une dynamique pas qu'à attendre, déclencher au bout. C'est ça qui fait dans l'année 2021, nous avons un vaste projet, un vaste programme qui pourra le mettre en place pour créer travail et pour construire pont et route dans le pays. Opération curageux a commencé. Et la commencé chez jeudi, 9h30, 10h, et après, d'abord après excavatrice. Donc on va chercher un bulldozer pour nous mettre dans la rivière en tout. Okay. Pas oublier, non pas qu'à prendre n'importe qui bulldozer qui est en panne dans la rivière là. Il faut nous faire un bulldozer qui est relativement neuf. Non sûr il est entré dans la rivière, il a sorti. Parce que depuis il prend pas dans la rivière, nous risquons de perdre l'île. Donc c'est ça que même pas qu'au bulldozer a bini, mais excavatrice c'est sûr, n'a voyons mais n'a côté joindre deux. Et ça que nous mandé, tout le monde qui a regardé nous, qui gagne excavatrice à caillou, qui pas travail, qui kembel, c'est méchanceté. Bah on l'autre côté pour travailler avec elle parce que l'état pas gain au côté pour le on sait des excavatrices camper tout côté pour le faire avancer. Nous dit tout le monde, faut être très solidaire aujourd'hui. L'État n'a pas de moyens politiques pour chaque zone pour le bail des gradeurs d'excavatrices. Chaque fois matériel est bon côté, il veut kembel. Dynamique c'est pas bon, on a sorti la donne. Sortir la donne, c'est l'aile qui travaille dans nos zones, on a déplacé le matériel pour nous travailler dans nos zones pour nous aller vers l'avant. Nous gardons entièrement ensablé. Donc on a fait en sorte que nous allons commencer au curage dès jeudi. Et jamais incendiant, après nous mettons excavatrice. Et ensuite, après avoir excavatrice, on a fait en sorte que nous mettons bulldozer là-dedans. De sorte que pour nous désencabler. Selon sa mission à la santé, donc pour ça, il y a un cadre, un vaste programme, plusieurs ponts, ils ont jeté sous plusieurs rivières dans le pays. Oui. Mais et, c'est vrai que côté il y a la il y a un problème, mais il y a l'autre zone qui n'est pas du tout. Est-ce que pour ça, on va réparer pour dans l'autre zone qui n'est pas du tout? Ou bien, ou dit un bon bagage, c'est que pour ça, il y a réparé pour l'autre zone. Et c'est ça qu'après le fait pour le cas Eddie Wanna. Par contre, tabac. Tabac, on pont que le besoin. Mais pendant ce temps, il y a deux ponts qui ont fait là. Une en route 9 et puis l'autre là, la route nationale numéro 1. Donc, c'est normal que nous ayons étudié dans quel cas que au cas et voyez un pont dans la zone Ediwan. Bien entendu, si il n'est pas possible, il y a étudié le cas pour prendre un pont qui est déjà prêt pour Ediwan. Les avancées de l'industrie pharmaceutique dans le domaine sont incontestables. De nouvelles molécules ont été introduites dans la prise en charge du VIH-Sida, au point qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il devient de plus en plus difficile de perdre la vie à cause du VIH-Sida, si la personne s'applique à respecter les conseils et ordonnances des professionnels de santé. Chez nous en Haïti, le vieux virus est devenu intransmissible et indétectable si les PVVIH vraiment résilient et régulier dans le suivi du traitement. La prévalence de la maladie s'est stabilisée à 2% ces dernières années et il n'est pas question pour nous de perdre ces acquis. Les personnes porteuses du virus sont acceptées au sein de leur communauté et reçoivent une assistance psychologique appropriée en plus de l'accès gratuit aux ARV qui leur est garanti. Notre résilience s'est manifestée à travers l'engagement de nos professionnels de santé et notre capacité intrinsèque à surmonter les difficultés. Le défi était de taille. Tout en étant solidaires et unis, nous y avons apporté une réponse qui témoigne de notre vigilance et de notre souci de lutter sans relâche pour nous épargner le pire.
Nous avons tous de commun accord répondu présent encore une fois au rendez-vous. Tout ceci pour vous dire, mes chers amis, qu'aucun groupe n'est laissé de côté quand il s'agit de faire face à des crises sanitaires. Transparence dans le marché public, c'est sous thème ça, journée réflexion à question ça, déroulé avec participation plusieurs journalistes dans la capitale là. Coordonnateur général de la Commission nationale marché public là, Florian Jean-Marie, expliquait, journée brasserie de ça, c'est pour faciliter les journalistes à comprendre l'aspect technique dans le processus de passation de marché. Yo. Nous profiter de l'occasion ça pour nous rencontrer des acteurs clés dans le système de passation. Parce que les journalistes, les médias, c'est un acteur clé lié dans la passation. Parce que, bon, pas quelqu'un qui nous dit qui connaît ce marché public, c'est parce que le CNMP micro. Parce qu'il n'y a pas de le marché public là avant. Donc, les journalistes sont importants. Ensuite, par le fait que nous avons organisé des formations, des séances de formation pour les journalistes, parfois, je suis une série d'entrevues où je sens que les gens veulent dévier. Mais par le fait que les journalistes ont une idée, vous voyez qu'ils posent une question, ils réduisent la situation. Donc c'est ça que fait nous penser avec les journalistes d'abord. Donc pas seulement les journalistes, ils ont les acteurs de la société civile. Par exemple, demain, nous avons rencontré eux. Ils ont même tout gagné et mots par eux pour eux dire dans la question de passation de marché. Les gens qui sont entrepreneurs, les gens qui fournissent. Et nous avons les autorités contractantes, les ministères, les organismes autonomes. Donc nous, organiser une semaine ça pour nous capables de parler à tout le monde. Faire ressentir nécessité pour chaque monde jouer partition par eux. Rôle journaliste dans le fonctionnement système marché public là, avec une transparence dans le processus là, c'est parmi quelques sujets qui ont fait débat dans la journée de réflexion ça. Responsable de l'association haïtienne journaliste économique pour le développement durable Antimas, avec économiste Edila Bossière, parler sous implication acteurs dans la passation de marché. L'accès à l'information est important. Et des journalistes qui ont connaissance technique pour mieux apprécier documents qui viennent joindre, mieux apprécier discours, acteurs qui ont intervenu, que ce soit monde politique, l'autre monde qui a parlé d'eux, parce que j'ai un monde politique qui a toujours fait là, par exemple, et tout le monde a toujours posé la question, est-ce que c'est vrai, la cour a son gros, la cour des comptes, son gros général qui l'a, qui a fait salver dans les affaires, bloqué, contrat, etc. Est-ce que c'est un MPC même bagarre là? Donc, je pense que d'abord, l'accès à l'information et la vulgarisation autour des connaissances qui ont rapport avec les affaires passation de marché public. Je dis, allez, on a regardé les affaires finances publiques. Il fut un temps, mon pas de connaître. Que ce soit les politiques ou bien moun nan société civile là, c'est pas vraiment yon intérêt ou te gen dans affaire budget. Mais jodi a là, ou après, on sort de sensibilité qui gagne pour moun nan konnen, qui sa gagne dans budget, à comment budget a présenté. La transparence, mais on l'a déjà. Les documents sont là. Les documents, si vous regardez la loi, vous avez tous un exemplaire de la loi. La loi du 2 juin 2006, mes amis, nous donne tous les éléments, 2009, merci, nous donne tous les éléments nécessaires, parce que les procédures, les étapes du premier point, appel d'offres, jusqu'à la fin, adjudication du marché, mes amis, la procédure est là, les procédures sont là, les normes sont là. Donc, en termes clairs, ces documents sont là pour nous permettre d'avoir une passation de marché transparente. Commission nationale à marché public en prend naissance d'après décret 3 décembre 2004 là. Plusieurs activités ont été réalisées pour marquer 16 l'année CNMP. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.